La place de l'emploi, un événement itinérant, a fait une halte à Draguignan. Le programme accompagnait les profils les plus éloignés d'un projet professionnel en favorisant l'échange direct. L'objectif, c'est de pouvoir offrir plusieurs espaces de rencontre aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais aussi non inscrites à Pôle emploi, avec plusieurs stands et plusieurs espaces dans lesquels les personnes pourront trouver du recrutement, du conseil pour la formation, de la découverte d'espaces numériques et du coaching vers l'emploi. Notre équipe a visité la place pour observer les méthodes mises en place pour rapprocher les visiteurs d'un emploi, usant de l'innovation au service de la pratique. Alors le gros point positif, c'est qu'on est au contact direct des demandeurs d'emploi qui souhaitent s'orienter vers certains métiers. Et on est là justement pour leur faire découvrir des métiers auxquels qu'ils ne connaissent pas forcément. Et on leur fait tester un vrai métier. Donc ils ont la possibilité de pratiquer, par exemple, de conduire un vrai chariot élévateur en réalité virtuelle et de s'orienter du coup vers les métiers de la logistique ou bien de tester une expérience immersive dans une crèche puisqu'on a développé une expérience qui permet de former le personnel de crèche en les plongeant dans les yeux d'un enfant de 2 ans et ça leur permet de voir à quoi ressemble un environnement pour les professionnels de la petite enfance et de s'orienter du coup vers ces métiers qui sont en tension aujourd'hui. Pour correspondre aux attentes de tous les types de profils susceptibles de venir, la variété se retrouve aussi bien dans les fonctions des stands que dans les secteurs représentés. On retrouve des entreprises du secteur du commerce comme Lidl, on a le secteur de la santé comme le centre hospitalier de Racénie, on a le secteur de l'intérim, on a les secteurs des chantiers d'insertion, on a les secteurs Colissimo. Donc on a plusieurs secteurs d'activité qui sont représentés. Une opportunité unique qui ne profite pas qu'aux demandeurs d'emploi. Les entreprises présentes espèrent également remplir leurs propres besoins. Pour nous, ce but est très important car nous avons besoin de recruter pas mal de monde pour la saison. Aujourd'hui, le schéma classique ne correspond plus forcément aux demandeurs d'emploi. Ils ne répondent plus forcément aux annonces sur Pôle emploi, etc. Ça permet de rencontrer de nouveaux profils et de sortir un petit peu des sentiers battus qu'on connaissait déjà avant, les forums à l'intérieur, à la salle polyvalente. Ce type d'immersion permet également de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, par exemple dans les entreprises. Et ici, donc, sur la place de l'emploi, ça nous permet de faire le lien justement entre les demandeurs d'emploi et les entreprises du Var qui ont des besoins en recrutement et de faire le lien entre les deux. De quoi remettre tout le monde sur un pied d'égalité et prouver que la rencontre directe peut faire la différence.